Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réparer. Vous avez créé trop de pages récemment. Pour pouvoir réparer ça, ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur les trois traits en haut à droite ici. Ensuite, arrivé ici, nous allons cliquer sur voir plus. Voilà, ensuite nous allons cliquer sur page. Nous allons donc tomber ici, arriver ici, nous allons cliquer sur créer. Nous allons donc tomber ici, nous allons cliquer sur démarrer. Nous allons mettre un nom de page. Mettre plutôt, nous allons cliquer sur suivant. Nous allons tomber ici, nous allons rechercher la catégorie. Donc là, je vais mettre santé, beauté par exemple. Et maintenant, quand vous mettez la catégorie, au moment de cliquer sur créer, vous avez le message de « Vous avez créé trop de pages récemment ». Maintenant, comment faire pour pouvoir réparer cela? C'est que nous allons tout simplement retourner en arrière. Ensuite, nous allons nous rendre dans notre Play Store. Arrivé sur le Play Store, nous allons rechercher Facebook Lite. Donc voilà, j'avais déjà fait la recherche. Nous allons cliquer sur Facebook Lite. Nous allons donc tomber ici. Et arrivé ici, si vous avez déjà installé l'application Facebook Lite, si elle n'est pas à jour, vous allez tout simplement la mettre à jour. Ou si vous n'avez pas encore installé l'application, vous allez tout simplement installer l'application. Ensuite, vous allez ouvrir l'application Facebook Lite. Nous allons donc nous connecter à notre compte sur Facebook Lite. Et arrivé sur Facebook Lite, maintenant, nous allons cliquer sur les trois traits en haut à droite. Nous allons donc tomber ici. Arrivé ici, nous allons cliquer sur « Page ». Nous allons ensuite cliquer sur créer page. Donc arrivé ici, nous allons cliquer sur commencer. Nous allons entrer le nom de notre page. Voilà. Ensuite, après avoir entré le nom de la page, nous allons cliquer sur suivant. Nous allons choisir une catégorie. Pour les gens, je choisis santé beauté. Ensuite, nous allons cliquer sur suivant. Avez-vous un site web pour tuto? Donc si vous en avez, vous allez mettre ou tout simplement vous allez cliquer sur ignorer. Nous allons tomber ici. Arrivé ici maintenant, nous allons pouvoir créer notre page en cliquant sur terminer. Et nous allons voir que nous allons pouvoir maintenant créer la page. Donc voilà comment vous pouvez résoudre facilement ce problème. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A plus.